Alors, comment s'est fait le DVD? Tout simplement, on pensait faire quelque chose pour honorer le maréchal, rééditer un livre, faire quelque chose. Il y en a beaucoup, les gens lisent de moins en moins. C'était assez compliqué. Nous sommes passés, comme a dit tout à l'heure André Gandillon, il faut travailler pour notre génération. Bon, ben, pour notre génération, le meilleur support était un film, des images. Et on s'est aperçu en faisant le film que les images étaient très nombreuses et très évocatrices à elles seules. Il n'y a pas besoin de faire un commentaire géographique. Hein. Il suffit de montrer les images et le maréchal apparaît dans toute sa grandeur. Donc on a fait ce film. Vous pouvez comprendre que le scénario est assez facile pour n'importe quel cinéaste. Quand vous voyez qu'il était fils de cultivateur, qu'il est devenu maréchal, qu'il a été le sauveur de la France, puis qu'il a été condamné à mort, vous voyez un peu, il y a des rebondissements, hein. il y a de quoi alimenter. Donc pendant 35 minutes, on a un film de vérité, avec des images d'actualité des époques, de chaque époque, puisqu'il a traversé pratiquement un siècle, hein, 95 ans, un siècle d'histoire. Il est né sous le Second Empire et il est mort en 51, sous la 4e République. Donc c'est assez facile, il y a des images, ça vient bien. C'est du boulot quand même, parce que celui qui l'a fait nous a dit qu'il a passé plus de 500 heures à réaliser ce documentaire. Donc voilà, je pense que c'est un grand moyen de réveiller nos compatriotes. Alors je sais bien qu'il est sur Internet, que c'est facile d'accès, etc. Mais je vous recommande non seulement d'acheter pour vous, mais de l'acheter pour l'offrir. Je crois que c'est le meilleur moyen de faire du militantisme que de dire à quelqu'un « Regarde, 35 minutes de vérité, c'est pas long, c'est pas un bouquin à lire pendant des heures et des heures. 35 minutes de vérité, et je vous assure que ça va commencer à les déstabiliser, c'est tout ce qu'on souhaite. Après, ils feront leur cheminement. De même que nous avons, on n'a pas porté ici, il faut diffuser aussi les principes de la communauté, puisque c'est l'élément politique qui nous permettra tout redressement. C'est les bases d'un redressement. Donc on a aussi des principes de la communauté qu'on a réédités en papier de luxe. Diffusez-le, n'hésitez pas. Je vous assure que j'ai fait l'expérience des dizaines de fois. Quelqu'un qui lit les principes de la communauté dit ben, « c'est la vérité ». Quelqu'un d'un petit peu lucide et un petit peu honnête intellectuellement. Voilà. Donc voilà, le travail que nous avons fait, c'est celui-là. Il est en préparation un double documentaire de 2 heures, cette fois-ci, pour développer encore un peu plus la vie du maréchal. Ça nécessite beaucoup de moyens. Il y a la matière, ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Prenez-en une idée cadeau à Noël, je vous assure que vous allez faire le buzz. Hein, voilà.